Ex aequo, l'amie prodigieuse. Vous êtes remis de vos émotions. Premier tome d'une saga de 4 livres, l'amie prodigieuse, enfance, adolescence d'Elena Ferrante, Gallimard 2011. Qui a lu parmi vous le deuxième tome? Qui a lu? Alors, le deuxième tome s'intitulait Le Nouveau Nom. Qui a lu le troisième? Celle qui fuit, c'est le thème de la journée. Celle qui fuit et celle qui reste. Qui a lu le quatrième? Sûrement pas en français. En quelle langue? Alors, en anglais, « The Story of the Lost Child », qui devrait, vu son succès, sortir en français bientôt, l'année prochaine, en italien. Si vous lisez l'italien, vous pouvez vous y mettre tout de suite. Vous pouvez aussi la faire, votre critique, en italien. Je me ferai un plaisir de la publier. Alors, Elena Ferrante est le pseudonyme d'un homme ou d'une femme qui serait née en 43 à Naples. L'auteur refuse de révéler son vrai nom et n'accorde aucune entrevue. Elena Ferrante est une journaliste, supposément, ou une traductrice, dépendamment, parce qu'il y a un journaliste d'investigation italien, Claudio Gatti, qui a fait une enquête et Elena Ferrante ne serait ni un collectif, ni un couple, ni même un auteur célèbre caché sous ce pseudonyme, mais une traductrice romaine du nom de Anita Raya. Mais il n'y a rien de confirmé officiellement. S'il vous plaît, ne partez pas ça sur les réseaux sociaux. Les livres d'Elena Ferrante sont jusqu'à ce jour traduits dans une quarantaine de langues et ses lecteurs aussi nombreux en Europe qu'en Amérique du Nord et, dirais-je, qu'au Québec. HBO, la chaîne câblée américaine, et le groupe de télévision public italien RAI, est-ce que je le dis correctement, coproduisent la série en 8 épisodes de l'amie prodigieuse dont le tournage va commencer dans quelques mois. Je suis convaincue que nous allons nous abonner à HBO ou au RAI. Alors voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit, le premier venant de France. Deux amies, Elena et Lina, vivent dans un quartier défavorisé de Naples à la fin des années 50. Lina, la surdouée, abandonne rapidement ses études pour aller travailler avec son frère dans la cordonnerie familiale. Elena, en revanche, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Lina, rebelle, secrète, fascine et inquiète la narratrice Elena. Les chemins de ces deux jeunes filles parfois s'écartent et parfois se rencontrent dans cette banlieue de Naples aux rues sales, poussiéreuses et défigurées par les immeubles modernes en construction. Les familles Cerucco, Greco, Caracci, Peluzzo et tous les autres habitants des vieilles maisons se côtoient tout en se jalousant, se rivalisant, se craignant. Les uns crient, les autres s'insultent, les pères frappent leurs femmes et leurs enfants, les frères cognent pour un simple regard qu'ils jugent déplacé. Mais au-delà de tout ce qu'elles vivent, ce qui prime pour Lina et Elena, c'est la force qui les unit, le lien indéfectible qu'elles ont tissé. Membre de Saint-Jean-sur-Richelieu, quel plaisir j'ai eu à lire cet auteur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. La vie dans un quartier de Naples, pas facile. Avec les garçons, non plus. Avec les parents ou à l'école, pas plus. Pour s'en tirer, c'est à la force du poignet, il n'y a pas d'autre solution. Ferrante, une écriture nerveuse, urbaine, jeune et rafraîchissante. À noter, au tout début du livre, il y a une liste des personnages géniales. Et une chance qu'il y en ait une. Alors, ex aequo, donc, ce livre-là de Ferrante.
Maintenant, qui désire prendre la parole pour en parler? Merci. Bon, j'avais écrit ça, mais bon. J'ai adoré Ferrante et je compte bien lire les suivants parce que j'en suis au premier. Et comme je disais, c'est peut-être parce que ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai vécues dans les mêmes années en France. Je suppose que la vie en France après-guerre était à peu près la même chose que celle en Italie. Et c'est tellement bien décrit. Non seulement il y a l'histoire de l'amitié qui est importante, mais c'est tellement bien décrit parce que je considère que quelquefois, c'est aussi difficile d'écrire les petites choses de la petite vie que des choses plus graves ou plus importantes. Alors, j'ai adoré ce livre-là et c'est ça, je voulais seulement en faire part.